deux particularités très remarquables aujourd'hui. D'abord, l'arrivée d'une petite nouvelle que on connaît bien car c'est un auteur à succès et à plusieurs succès, Régine Deforge. Oh, bravo. Bravo. Merci. Et ensuite, le retour après de longs mois d'absence, mais d'absence justifiée, il a pu produire un mot d'excuse de tous les directeurs de théâtre qu'il avait employés, de Roger Pierre. Bravo. Bravo. Mon vieux camarade, le doyen des hommes d'esprit français, l'Einstein de la Baliverne, André Gaillard. Oh, et puis l'amiral, égal à lui-même. Bravo! C'est-à-dire à un très haut niveau. Quelqu'un qui navigue de plus en plus sur nos ondes et qui est maintenant une des gloires d'une des chaînes françaises les plus remarquables. Enfin, en tout cas, des plus nouvelles. Un homme qui invite à prendre place sur son radeau des personnalités, sans même les peser, sans savoir si le radeau ne va pas s'enfoncer dans l'ombre. Les peser, une faute d'orthographe dans votre truc, là. Olivier de Kersauzon. Oh, j'appréhendais le pire, ou le meilleur, selon les cas, en présentant une nouvelle grosse tête en jupon à l'amiral, mais il semble que vous vous connaissez. Je la connais depuis qu'elle est tout petite, moi. C'est lui qui m'a appris à lire Jules Verne. C'est moi qui lui mettais le doigt sur les lignes. Ben oui. C'est joli comme image. 20 000 lieues sur les mers, ils ont. Mais moi, j'ai connu Régine. 20 000 lieues sous mes mers. Je l'ai connue, elle était toute petite. Vous êtes rencontré où, chez Castel? Non. Non. Dans le quartier. C'est un prévent ici. Dans le quartier. Et Castel m'avait dit à l'époque, tu vois cette petite jeune fille, elle est très belle, très intelligente. Belle, je voyais, très intelligente, je voyais pas. Il l'a toujours pas vu. Et jeune fille, vous étiez sûr? Oui, fille jeune. Et puis après, il m'a dit, tu verras un jour cette femme, parce que le temps avait passé sur ses épaules, sans pour autant marquer son visage qui reste serein. Un jour, cette femme, qui est en train de tailler ses plumes pour écrire dans la langue française, va faire quelque chose d'étonnant. Et moi, j'ai vu des scores littéraires. C'est effrayant. C'est effrayant de voir à quel point cette sensibilité délicate a su percer ce qu'il y avait de plus caché chez ses contemporains. Non, elle est formidable, elle a des résultats. Elle tire davantage que la grande cheminée de la salle des gardes du château de Chambord. C'est effrayant. Qu'est-ce qu'elle doit avoir comme pognon? Alors, votre mansuétude à son égard, car on connaît autrement vos réactions machistes, phallocratiques, vient de son talent, du fait qu'elle est agréable à regarder, ou de l'argent qui s'amasse, vous le savez maintenant, sur son compte en banque? Je vais faire comme les hommes politiques. Très sincèrement. Merci pour cette question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, ça fait 15 ans que je l'aime. Donc, je l'ai aimé pauvre. Je vois pas pourquoi je l'aimerais pas riche. Comme quoi, tous les efforts sont récompensés. Hein. Faites un effort. Et de quels yeux regardez-vous l'amiral Régine Deforge? J'ai toujours eu un œil intéressé sur lui. Un seul? Oh, en ouvrant, je peux ouvrir les deux. Oui, non. Dans quelle catégorie d'hommes vous le... Elle est riche parce qu'elle était à l'œil. Bah, laissez-moi le regarder, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Menteuse. pas si vite. Les hommes faciles? Non, je dirais pas ça. Vous payez avant. Bon, des hommes qui ont un regard, c'est pas si fréquent. Non. On dit l'œil pointu dans mon Poitou. Mais quand on est très près d'un homme, le regard, ça sert plus à rien. Il faut vraiment être assez près. Oui. Eh ben, je n'ai pas été très près. Parce que plus on est près, moins on voit. On ferme les yeux en général. Alors donc, le regard, c'est pour la phase préliminaire. Tu fermes les yeux, toi? Moi, je garde toujours les yeux ouverts. Ben, c'est normal, il faut bien qu'il y ait... Oui, mais c'est vachement dur. Ah oui. C'est vachement dur. Ouais, mais les yeux ouverts sur le réveil, sur la table de nuit, parce qu'il y a la prochaine livraison qui attend. Gardez les yeux ouverts durant toute la période de la discussion. Oui, mais faut... Eh bien, c'est super dur. Et à quoi vous pensez pendant ces moments-là? À prendre l'âme de l'autre.
Mais vous comptez les fleurs sur la tapisserie, les mouches au plafond et... Pas du tout. C'est un élan. C'est l'élan de la matière. C'est l'histoire de l'homme que les se racontent que lorsqu'on a la chance d'approcher une femme d'à peu près, ça n'a rien à voir avec toutes les petites saloperies, avec les bonnets de Mickey, les fouets. C'est l'élan. C'est... Lorsqu'un homme approche une femme, vraiment, c'est... il est en train de réécrire l'histoire du monde. C'est la première histoire du monde. C'est lorsque Adam a vu apparaître Ève. Oui, c'est une façon de recréer le monde. Non, mais de participer aux grands élans. Il n'y a que par ce contact qu'on approche l'absolu. C'est beau, c'est beau, ouais, tout c'est ça. Pas mal. Et vous approchez ça, souvent l'absolu, combien de fois par semaine? Le plus souvent possible. Moi, j'aime bien cette description de l'acte amoureux qui s'exprime un peu quand même, qui transcende. C'est joli. Mais je crois qu'il faut. Il faut transcender. Il faut lever le débat. Il faut transcender. On peut même faire ça avec des femmes. Bon, Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Ma mère aimait les enfants. Elle aurait donné n'importe quoi pour que j'en sois un. » Oh, c'est pas français. Vous voulez dire, ça n'a pas été proféré en français ou c'est d'une syntaxe douteuse? Non, je dis, non, je dis, c'est un étranger qui a dit ça. C'est un étranger qui a dit ça. C'est un étranger. C'est Allen. Allen. C'est pas Allen, mais c'est très près. C'est pareil, Twain. Sifflez-le. C'est un Américain. Un Américain. Ouais, c'est pas, c'est parce que la syntaxe n'est pas, la traduction n'est pas bonne. Chaplin? Non. Non, non. Il est vivant, non. Il était... Non, non, il est mort. Mort. Keaton? Non. Un comique? Un comique. Laurel Hardy, là. Vivant encore? Un de vos pires. Groucho. Groucho Marx. Groucho Marx. Ouais. Bonne réponse d'André Gaillard. C'est une mère étonnante, d'ailleurs, la mère des Marx. Une bonne femme fantastique. Ah oui, vous l'avez connue? Très bien, oui, d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs elle qui a obligé ses fils à faire du théâtre. Ils voulaient pas faire du théâtre. En fait, il y avait le seul qui chantait vivre juste à l'époque, c'était Groucho. Les autres, ça n'avait rien faire. Groucho Marx prenant le pouls à quelqu'un. Écoutez, cher ami, ou vous êtes mort, ou ma montre est arrêtée. Question de Madame Raison-Roy d'Orchamps, qui a dit « Il y a dans l'acte d'amour, nous y revenons, une grande ressemblance avec la torture ou avec un acte chirurgical. » C'est ce que je vous disais. Un Français qui a dit ça? Un Français. Oui, mort. Guitry, non? Mort. Mort, mais même... mort il y a longtemps. Mort torturé, d'ailleurs. Ah bon, c'était un cérébral. Mort il y a longtemps. Oui. Au 19e? Au 19e, au 19e. Pas Balzac, c'est plus de 30 ans, alors. Un romantique? Si on Baudelaire. Veut. Oui. Baudelaire. Ouais. Bonne réponse de Régine Deforge, qui, toute nouvelle... En ces lieux, il n'a pas mis plus de 5 minutes pour donner sa première bonne réponse, c'est bien. Ouais. Alors, essayons d'en savoir davantage sur ce que vous pensez. Est-ce que vous considérez donc que l'acte amoureux a une ressemblance avec la torture ou avec un acte chirurgical? C'est à moi que ça s'adresse. Oui, oui. On l'appelle la petite mort aussi. La petite mort, oui, c'est la assez joli. Mort. Oui, le grand frisson, la petite mort. Acte chirurgical, non. C'est non. Peut-être une torture quand c'est mal fait. C'est pire, c'est emmerdant. Et vous, monsieur Roger Pierre? À la campagne, ils disent la bricole. On a l'impression que Baudelaire a un peu exagéré. Ah non, non, pas vraiment, parce qu'il était... il ne supportait pas que les dames lui cèdent. Ah tiens. Oui, et il avait fait une scène épouvantable, celle qu'on a appelée la présidente, qui était une égérie. Et il faisait le siège de cette dame, et un jour, cette dame lui cède, voulant lui faire plaisir... Il ne l'a plus jamais revue, en lui disant qu'elle lui avait joué un très méchant tour. Ouais, moi, je suis comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé... Vous êtes comme ça, vous, Amiral? Mais il se déguise et il revient. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Qui avait demandé par testament à être conduit à sa dernière demeure dans le corbillard des pauvres? C'est un riche. Saint-Vincent de Paul. Non. C'est un riche parce son que. Son désir ne fut pas respecté. C'est un riche parce que les pauvres, c'est les pas, vrais pauvres, les emmènent dans des corbillards de pauvres. On n'a jamais vu un pauvre mis dans un corbillard de riche. C'est vieux ça, hein. C'est au 19e siècle. Mmh. Mais c'est un homme, c'est un écrivain. Oui. C'est Victor Hugo. Victor Hugo. À qui on fit d'ailleurs des obsèques nationales. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Moretti, des Nains Liétards. Qu'est-ce qu'on fit pour la première fois le 11 novembre 1923? On a fêté l'armistice. Non, c'était pas la première fois. La deuxième bien fois, l'énoncé alors. De la question. Les cérémonies de monument. Non, non, c'est le soldat inconnu. Oui, mais... On a donné le nom la du flamme. Soldat inconnu. La flamme, on a installé on a la flamme. Allumé ouais. La flamme, on ouais. C'est exprès. La bonne réponse est venue d'André Gaillard. Monsieur Dercy de Paris, le carat est, vous le savez, l'unité de poids du diamant. Et, quel est... et du mel aussi.
Le caramel. C'est moins cher et ça colle plus les dents que le diamant. Oui. Si ça raille pas. Et quelle est l'unité de poids de la perle, qui vaut d'ailleurs un quart du carat? L'huître. Non. Vous dites, donnez-moi un diamant de 15 carats, et vous dites, donnez-moi une perle de... De 50 carats. Parce que si elle en vaut le quart, il faut avoir une grosse perle. Il faut donc multiplier 4 fois ce qu'il y aura sur un diamant. Hein, mon amour ? Il n'y a pas un bijou. Les plus jolies perles, nous vous les devons, amiral. Stranger in the night. C'est un mot français ? Genre petite, genre grosse, genre. C'est par gramme, non ? Non. Milligramme ? Non. Ah, kilo ? C'est un poids, alors. Kilo, peut-être ? Non, pas du tout. C'est une perle de 9 kilos, chère madame. Non, c'est par ailleurs un mot qui sert à d'autres usages. C'est le usages. Micro, non ? Non, non, pas, c'est pas un mot savant. Ah bon ? C'est un vieux mot français. Mon cher Philippe, une question importante. Je vous en prie. Est-ce que c'est un vieux mot français qui est directement rétabli à une unité de mesure ? Non. Non qui ? Mais... Non, non, cher ami. C'est un vieux mot. C'est pas un mot archaïque, c'est un mot qu'on emploie depuis très longtemps. Vous avez tiqué quand j'ai dit gramme. Il y avait une espèce de consonance qui me paraissait intéressante. Grade, non ? Non. Brad. Frad. Non, bah, vous n'allez pas procéder par tâtonnement comme ça, c'est indigne de vous. Crude. Caca, kiki, coco, cucu, pouet, pouet. Ça fait long pour un poids. C'est une perle de 3 cucus. Est-ce que vous voulez bien vous le mettre sur votre coude bovin ? Oh ! Soyez savants, ces questions-là. Vous connaissez l'histoire de la demi-mondaine qui arborait un collier de perles qui était très très grand ? Quelqu'un regarde les dimensions du collier et dit, tiens, voici des perles qui retournent à leur source. Pourquoi les morues, ça n'a pas de perles ? L'once, c'est pas ça ? Finissez votre raisin. Eh bien, il y a peut-être dans mon raisin la réponse. Le pépin. Pépin. Ah, non. La peau. La cèpe. Le grain. Le grain. Ah, le grain. Bonne réponse de Rosette. C'est drôle, hein, les situations. Tu te rends compte, il aurait bouffé une banane, on trouvait pas. Ah la vache. Ah non, ouais, on a eu chaud là. Sauvé par les fruits et légumes. Merci. Les primeurs ont gagné. Bon, c'est drôle parce que j'ai assisté hier à un gala à l'opéra où Léon est intervenu pour tirer une tombola. Ah bon. Et alors, le premier lot, c'était une montre d'un grand bijoutier de la place Vendôme. Et alors, Léon avait mis le paquet dans sa poche. Enfin, il était très honnête, il l'a sorti. Il était enrubanné, enveloppé, et il dit... Il se présente un monsieur, enfin, apparemment, qui avait tous les signes extérieurs du sexe masculin. Et il lui dit, je ne sais pas si c'est une montre de dame ou d'homme, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Et ça dure 10 minutes. Et c'est un monsieur qui a une réputation dans Paris tout à fait équivoque. Eh bien voilà votre montre de PD. Oh, c'est drôle ça. Dans un théâtre où il y avait des homosexuels, il y a un jeune journaliste qui est venu un jour, c'était sous l'occupation, il fait « Bonjour messieurs, je viens pour le journal Détente. » Oh pardon. Vous avez vu qu'il y a une presse homosexuelle de plus en plus copieuse, fournie. Oui. Ça tire pas mal. Dans des rotatives à pédales. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En mai 1985, autour de Philippe Bouvard, Régine Desforges, Roger Pierre, André Gaillard et Olivier de Kersauzan. Une question de Monsieur Souplet qui habite Château-Thierry. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Ah non, non, ça va très bien. J'attends la question. Et moi la réponse ? Oh, ils attendent tous les deux. Ouais, comme ouais, c'est chouette. C'est chouette, hein ? Ça fait salle d'attente. Qu'est-il d'usage d'offrir en Allemagne fédérale aux employés qui sont restés 30 ans dans la même entreprise le jour où ils prennent leur retraite ? Une médaille, une montre ? Un portrait d'Hitler en latex, là, comme un fou. Une concession au cimetière, non ? Une concession à perpétuité dans un cimetière. Très bonne réponse de Roger Pierre. Vous imaginez, amiral, vous êtes chef d'entreprise. Monsieur Gaillard prend sa retraite aujourd'hui. Oui. Vous lui décrivez le cadeau que lui offre la maison. Oui, s'il vous plaît. Cher ami,
L'aube s'était à peine terminée sur la guerre de 14, que déjà vous entriez dans l'usine, petit enfant, chétif et trottinant. Vous avez été mis aux presses et à la machine. Vous avez perdu un bras, récupéré un peu d'argent, et après on vous a mis, lors de la modernisation, à la comptabilité. La comptabilité vous a vu plusieurs années avant que la guerre ne vous rappelle au front, dont vous êtes revenu blessé, mais dont l'usine s'enorgueillit de posséder à l'époque son premier blessé au front. Au front, il y a la fesse. Exactement. Les années qui passèrent vous virent dans les couloirs et nous permirent de montrer aux jeunes à quel point la dévotion que vous montrâtes à notre entreprise permet à ceux qui ne connaissaient pas encore le Japon d'en deviner déjà les mœurs. Passé de l'emballage au déballage, vous avez raconté notre comptabilité secrète aux impôts, on vous a cependant gardé. Traître professionnel, menteur, abjureur, malsain, vos 9 enfants sont rentrés dans l'usine comme vous afin de continuer à pousser une belle race de travailleurs dans lequel le chômage n'est qu'une fleur abjecte que l'on rejette au loin. Lors de la grève, vous avez apporté un seau et une pelle parce que vous croyez encore à l'âge de 50 ans qu'il s'agissait de jouer sur une plage. Ce qui montre à quel point, durant tant d'années, vous êtes éloigné du syndicalisme et vous avez accepté de travailler pour le patronat. Aujourd'hui, l'horloge sonne le joyeux tatinabulement de la retraite. Et c'est avec émotion que devant la première machine que vous vîtes et qui vous prit un bras, je vous offre maintenant de quoi mettre tout le reste. Décrivez un peu la concession. Notre maison, lorsque l'usine a été construite, à l'époque il n'y avait pas d'autoroute, vous vous en souvenez, parce que vous arriviez crotté parfois avec un tuba tellement il y avait de flotte dans le chemin pour pouvoir respirer. Depuis l'autoroute, le dépôt de pneus, la gare de triage et l'abattoir sont venus comme autant de satellites autour de notre étoile. Mais là-bas, au loin, derrière la zone de HLM délabrée, vous pouvez apercevoir un petit endroit. Et cet endroit, de mon bureau, je le vois. Donc je vous surveille encore. Bien sûr, la concession n'est pas grande. D'ailleurs, si vous aviez perdu vos deux jambes, 1 mètre carré aurait suffi. Mais comme vous les avez gardées, nous avons 1,5 mètre. De là, sous le marbre offert par l'entreprise, Plastoc et compagnie, vous irez reposer. Et nous, qui avons tant travaillé avec vous, et tous vos camarades, pourrons voir où mène l'oisiveté de la retraite. Cette petite concession. Merci, patron. Au boulot, feignant. Alors, bon, c'est vrai d'ailleurs, c'est pas une blague, hein. Les journaux en ont souvent parlé. C'est tenu là-bas pour une mesure sociale dont les patrons sont gratifiés. Mais finalement, je vois mal en France une pareille mesure promulguée. Hein. Vous avez vu les prix qui montent ? Pour un enterrement, hein. Mais par exemple, un ouvrier, 12 000, 15 000 francs. Il va se faire incinérer alors. On peut mettre une urne dans un caveau, non ? Mais c'est ridicule. Mais ça se souhaite, à table de nuit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de garder ? Non, non, on ne garde plus maintenant. Mais on peut garder. Non, non, c'est exceptionnel. Si on le met dans un cendrier. Oui. tu files un pourliche au crameur, veut dire tu pars avec tout ce que tu veux, même des morceaux pas à toi. Arrête. T'as pas le droit légalement. Le mec peut pas dire je vous remets les cendres, mais c'est une question de pognon. Oh. Tu l'allumes un peu, t'es peinard. Même tu peux partir avec de la viande. S'il a pas tout brûlé. Si ça n'a pas trop attaché au fond de la gamelle. L'amiral se réveille là dès qu'on parle de mort, de supplice, de. Oui. C'est quand même extraordinaire. Mais pas de mort, je trouve que le culte de la mort, c'est débile. Oui, c'est vrai. À partir du moment où l'esprit a quitté la viande devrait aller à Canigou puisque l'esprit va au ciel. Vous vous rendez compte, les mètres carrés, le pognon qu'il y a en cimetière, en marbre, à mon Norbert chéri, à notre Dédé tant aimé. Jamais vu sur une tombe à Marcel Saloupio, qu'on a été un toute sa vie, rien qu'un dégueulasse, sa femme qui pouvait pas le blairer, c'était un mauvais coup, ses gosses qui ont été abandonnés par lui et tout, il n'y a jamais écrit ça. Ouais. C'est ridicule le culte des morts. On ferait mieux de s'occuper des vivants. Excusez-les, Régine Deforge, car je vois que vous êtes un peu choqué. Vous êtes choqué ? Vous n'êtes pas choqué ? Mais moi j'aime bien les cimetières, alors c'est sympa. Ah, parce que c'est bien, on peut se promener, ce sont des jardins, puis quand on a envie de pleurer, on est tranquille, là. Personne s'en étonne jamais. Viens chez moi pleurer. Je te fais un cimetière miniature qui se lit. Il vous fera le coup du croque-mort si madame veut embrasser une dernière fois le membre de la famille avant qu'on l'ait dedans. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.